jour. Chaque année, il se vend plusieurs centaines de milliers de Bibles dans des dizaines de traductions. Pourquoi un tel succès et une telle longévité? Comment aborder ce monument impressionnant? Que faut-il en savoir d'essentiel? D'abord, la Bible n'est pas un livre ordinaire, mais une collection de livres très divers. Le mot grec qui la désigne, tablia, signifie les livres. Elle se compose de récits mythiques, épiques ou historiques, de listes de lois ou de généalogies, de poèmes, de textes de sagesse, de prophéties, de paroles visionnaires, de prières, d'exhortations. L'écriture de ces livres a commencé vraisemblablement au 8e siècle avant Jésus-Christ pour s'achever vers 100 ans après Jésus-Christ. D'abord, écrits séparément. Ces livres ont été inlassablement médités, recopiés, puis peu à peu regroupés et classés au fil des siècles. La Bible est le texte de référence des Juifs, mais aussi des chrétiens. Même si, bien sûr, les Juifs ne reconnaissent pas les écrits qui parlent de Jésus et qui constituent le Nouveau Testament. On retrouve aussi dans le Coran l'histoire d'Abraham, celle de Moïse, la personne de Marie, Myriam, et celle de Jésus, Essa, ainsi que de nombreux autres empereurs. La tradition attribue les 5 premiers livres à Moïse, le livre des psaumes à David, ou tel autre encore au prophète Isaïe ou à Jérémie. On sait aujourd'hui que la composition de la Bible a été longue et complexe, faite d'emprunts à des traditions orales, à des chroniques royales ou encore à des écoles de pensée. Ces textes ont été remaniés, puis ils se sont fixés vers le 2e siècle avant Jésus-Christ. Dès lors, l'élaboration de la Bible s'est faite par ajout et relecture innombrable de croyants, ce qui explique notamment que les chrétiens n'ont pas le même livre que les juifs. Pour les croyants, c'est Dieu lui-même qui nous parle encore aujourd'hui à travers ses textes. La Bible est d'abord le livre saint des juifs. Celui-ci ont retenu 24 livres, tout écrit en hébreu. Elle se compose de 3 ensembles, la loi, la Torah, les prophètes et les écrits. Pour le judaïsme, c'est dans les 5 premiers livres de la Bible, la loi, que l'on trouve les textes fondamentaux qui règlent et rythment la vie du croyant. Mais cette loi n'est pas d'abord un ensemble de préceptes. Elle est avant tout le récit de la relation d'un peuple, Israël, avec son Dieu. Au début de notre ère, les chrétiens ont reconnu en Jésus de Nazareth le Fils de Dieu, le roi qui n'est pas de ce monde et qui comble les attentes des hommes et des femmes. Ils ont écrit, eux aussi, des témoignages sur Jésus, donc les évangiles,
et sur la naissance des premières communautés chrétiennes, donc les Actes des apôtres, ainsi que pour tous ceux qui cherchent à se rapprocher de Dieu, la Bible est un inépuisable trésor. Des lettres, des épîtres adressées aux communautés naissantes, leur collection constitue pour les chrétiens la seconde partie de la Bible, appelée Nouveau Testament. Elle se compose de 27 livres. La Bible dit-elle vrai? Puisqu'elle est parole de Dieu, beaucoup pensent que la Bible ne peut se tromper et qu'il faut prendre tous ses enseignements au pied de la lettre. Mais si la Bible dit vrai, cela ne veut pas dire qu'elle raconte comment les choses se sont passées. Elle nous en donne le sens. Ainsi, croire que Dieu a créé le monde ne nous dit pas comment il s'y est pris. La Bible nous parle dans un langage symbolique et poétique, pas scientifique. Elle est révélation, parole de foi. Comment lire la Bible? Alors, comment lire cette Bible? Comme une fable ou un mythe? En réalité, la Bible doit être sans cesse travaillée et méditée comme une parole de Dieu qui nous est personnellement adressée. À la messe, le dimanche, on lit quatre passages de la Bible. Un passage de l'Ancien Testament, un psaume et deux passages du Nouveau Testament. Donc, un de l'Évangile. Souvent, le célébrant explique ces passages pour que nous puissions les comprendre et pour qu'ils alimentent notre prière. Ainsi, peu à peu, nous pouvons retrouver dans la Bible des paroles qui nous aident à comprendre les joies et les peines que nous traversons. Les psaumes notamment, qui sont de longues prières, parfois violentes ou parfois douces, nous permettent de faire de toute notre vie une prière, sans parler bien sûr du Nouveau Testament, qui nous fait connaître Jésus et ses apôtres. Chaque livre porte un titre. De même, chaque livre est divisé en chapitres et chaque chapitre en versets. Ces découpages ont été faits de façon plus ou moins arbitraire pour permettre au lecteur de s'y retrouver. Ainsi, le 24,27 signifie « Évangile selon Saint Luc, chapitre 24, verset 27 » ou encore « DT 6,4, trait d'union 6 » signifie « Livre du Deutéronome, chapitre 6, verset 4 à 6 ». La Bible chrétienne est constituée de l'Ancien et du Nouveau Testament. Le mot « testament » ne veut pas dire « dernière volonté », mais « alliance ». La Bible hébraïque a été appelée « Ancien » ou « Premier Testament », « Première Alliance ». Les chrétiens y ajoutent les 27 livres du Nouveau Testament qui relate la nouvelle alliance apportée aux hommes par Jésus. Les catholiques et les orthodoxes ont retenu 46 livres pour l'Ancien Testament. Les protestants se sont limités à 39, qui correspond, avec un autre découpage, à la Bible juive. Le Nouveau Testament comprend les quatre évangiles. Matthieu,
Marc, Luc et Jean. Et les Actes des apôtres, écrits par Luc. 21 lettres ou épîtres, donc 14 attribués à saint Paul. Un de saint Jacques, deux de saint Pierre, trois de saint Jean, un de saint Jude. L'Apocalypse, qui signifie révélation ou dévoilement, est attribué à saint Jean et clôt le Nouveau Testament par un appel à veiller dans l'attente du retour de Jésus. Le mot évangile vient d'un mot grec qui signifie bonne nouvelle. Il désigne le message proclamé et vécu par Jésus et répercuté par les apôtres. Parmi les quatre évangélistes, deux ont connu directement Jésus, Matthieu et Jean, tandis que les deux autres, Marc et Luc, non. Les évangiles sont des témoignages sur la vie, la condamnation à la mort, à la résurrection de Jésus. Ils nourrissent depuis 2000 ans la foi des chrétiens. On est très loin d'une dictée dans la Bible. Elle est vérité de foi. La Bible enseigne la vérité que Dieu a voulu. L'homme n'est pas un instrument de Dieu comme un instrument de musique. Dans la foi chrétienne, nous ne croyons pas que Dieu a écrit la Bible. Il l'a inspirée. Il laisse l'homme et la femme pleinement libres comme auteur. La Bible est parole de Dieu et aussi parole humaine, car la parole de Dieu ne peut se transmettre aux hommes et aux femmes qu'en devant elle même est parole humaine. Le Concile Vatican II utilise le terme « auteur » pour désigner à la fois Dieu et les hommes qui ont écrit la Bible. Voilà. J'espère que ça permet une bonne réflexion. J'aime bien cette citation du psaume 119. Ta parole, une lampe à mes pieds, une lumière à mon sentier. Bonne journée à toi.